Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à F1 World Championship Edition sur Super 8 de nos Famicom, ce que vous voulez. En tout cas, on revient un petit peu dans le passé, vous l'aurez compris, avec un jeu 16 bits. Vous savez à quel point je suis friand de ce genre de jeu. Surtout parce que leur intérêt, comme j'ai souvent expliqué, était quand même assez faible à l'époque. Enfin, en tout cas, maintenant, en termes de rejouabilité, c'est quand même assez exécrable. Alors là, je m'attarde juste sur la musique. On dirait presque du Vigilante 8. Hein. On dirait un peu le même air, ça ressemble beaucoup. Alors, j'ai la démo qui se lance à chaque fois. On pourra d'ailleurs qu'il y a un mode de joueur, c'est assez marrant. Alors, on a un mode Championship, on a Knockout, on a Practice, Options et Password. On va aller voir les options déjà pour commencer. Alors, on a difficulté qu'on peut choisir en normal, en easy ou en hard. On va rester en easy. On peut mettre les arts au stand. Et on peut choisir le tour, on peut choisir mettre le gearbox, donc la boîte de vitesse, en automatique ou en manuel. Et au niveau des contrôles, comme vous pouvez voir, on peut voir qu'il y a gear down, gear up, donc les gâchettes pour pouvoir monter ou baisser la vitesse. Left, right, pour tourner gauche-droite, jusque là c'est logique. Accélérer par contre, c'est sur le bouton, alors j'ai jamais compris ce que c'était... Je me fais toujours avoir sur les boutons de Super NES. Bon, le bouton rouge, on va l'appeler comme ça, pour accélérer. Brake, ça sera donc le bouton au jaune, vert, je sais pas. Ah non, en fait non, le jaune et le rouge vont accélérer et freiner, c'est bleu et vert. Donc on va valider comme ça pour l'instant par défaut. Voilà. Et on va faire un mode practice, histoire de découvrir un petit peu le jeu. Je découvre le jeu en même temps que vous. Déjà, je peux vous dire que la musique, c'est pas trop mon trip, elle est pas super, super excellente quand même, enfin, plutôt moyenne. Alors, on peut faire donc un joueur contre la console, contre l'IA, simplement tout seul, ou on peut mettre deux joueurs si on veut jouer avec un ami ou une amie. Et d'ailleurs, je m'attarde un tout petit peu sur le fond d'écran derrière qui, alors vous l'aurez sûrement reconnu, évidemment un peu modifié hein, pour peut-être des problèmes de licence, mais le Flying Finn, donc en gros Mika Hakkinen au Grand Prix d'Australie 93. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, on fait la saison, pas 93, mais 94, enfin 94, non pas 93, alors que le fond d'écran derrière précisait un jeu qui pourrait être daté de 93. Alors on peut choisir plusieurs voitures. Il y a le choix des voitures qui est assez intéressant, parce qu'on change de pits. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils ont pu avoir assez de licences. En tout cas, on voit qu'on a donc les Williams, on a les McLaren Peugeot, donc de Hakkinen, on a la Maiden Ford de Schumacher, on a la Squire Jean Alesi, on a le Timotus qui est représenté, Mark Blundell qui est représenté, Wendlinger chez la Sauber, on a Arrows qui est présent, Tortel Larousse donc d'Eric Comas, on a la Jordan donc de Irvine, Alboreto, Eric Bernard, et c'est tout. J'y ai cru. Sincèrement, j'ai eu un moment, je me suis dit, il y a peut-être y avoir toutes les licences. Eh ben non, il manque quelques équipes, donc c'est un petit peu dommage. Mais il y a quand même pas mal de choix. C'est plutôt correct. Mais écoutez, on va prendre des équipes qu'on a rarement le temps de prendre habituellement. Donc on va prendre par exemple une Larousse. Et on va choisir du coup Eric Comas. On pourrait changer le nom, mais on va pas le faire. On va faire start. J'aime bien ce passage. Ce passage de musique est plutôt sympa. Alors, on peut choisir donc Float Order, on nous dit que c'est Start pour finir, Delete ou Accept, donc on va faire Accepter. Concrètement, on va laisser l'ordre par défaut. Et donc du coup, on va commencer par le Grand Prix du Brésil à Interlagos. D'ailleurs, je suis en train de vérifier si le circuit n'a pas bougé depuis. On a toujours le S2 Senna. Non, ça n'a pas bougé. Et le meilleur temps a été fait par Nobody. Alors c'est parti, et c'est là où ça va, voilà, donc là on revient sur 16 bits évidemment, donc c'est tout de suite pas la même chose. Je vais juste baisser un tout petit peu le son du jeu, qui va être un petit peu, alors peut-être pour vous ça sera pas forcément le cas, mais pour moi ça va être un peu plus faible que prévu, parce que c'est des sons en général sur les consoles 16 bits assez dégueulasses, autant se le dire. C'est rare d'avoir des sons très très bons, mais enfin, c'est parti.
Est-ce que vous ressentez le chant du V8 Cosworth, enfin HB ou peu importe de l'époque, sur la Larousse? Alors, bah, comme pour beaucoup de jeux de cette époque, vous l'aurez compris, c'est un mode vue de derrière, en fait, hein, où on déplace la voiture de gauche à droite, hein, sur un as qui est assez fixe. C'est évidemment un effet d'optique, hein. Concrètement, on ne se balade pas en trois dimensions. C'est juste des bouts de décor qui arrivent au fur et à mesure, et nous on reste, on bouge pas en fait, on reste sur une place fixe et on ne fait qu'aller de droite à gauche. On va parler rapidement d'ailleurs des graphismes qui sont très corrects pour le standard de l'époque. Je précise quand même que le jeu est sorti en 95 pour la saison 94 avec des screens de 93 et qu'en 95 bah, la Saturn et la PlayStation sont sortis déjà depuis quasiment un an, on va dire, en tout cas pour la Saturn plutôt, qui était sorti pendant l'été, la PlayStation juste après. Et bon, effectivement, pour pouvoir vouloir jouer à un jeu de Formule 1 en 95 sur 16 bits, il fallait s'accrocher concrètement, ou vraiment pas avoir les moyens de s'acheter autre chose ou jouer sur PC, parce que bah, vous pouvez vous en rendre compte, niveau graphique et niveau immersion, bah, on va pas du tout y être par rapport aux consoles 32 bits. Mais si vous n'avez pas le choix à l'époque, eh ben, vous êtes obligé du coup de vous contenter de ce genre de jeu. Et vous allez voir que ce jeu bah, est plutôt intéressant au niveau du maniement, plutôt correct. C'est-à-dire qu'on se déplace, vous pouvez voir, c'est assez, assez fluide. C'est pas trop prononcé. J'ai la carte qui s'affiche en bas, qui me permet donc d'avoir un petit peu d'avance, on va dire, parce que vous remarquerez qu'on voit pas très bien devant nous, hein, on voit pas grand-chose. Mais le fait de se dire, voilà, je vais arriver sur un virage, hop, je peux anticiper un peu, et je peux freiner au bon moment. Donc ça a toujours été le côté intéressant d'avoir un circuit sur ce genre de jeu qui nous permet de nous orienter. Alors on pourrait dire oui, mais à la fin tu connais le circuit par cœur, ce qui est le cas. Effectivement, au bout d'un moment on commence à connaître un petit peu à force de s'entraîner sur le tracé. Mais au début, bah, bon là encore on a la map, mais bon, Interlagos, hein, par exemple, en tant que passionné, c'est un circuit que je connais beaucoup dans les jeux vidéo puisque c'est un circuit qui est assez mythique. Donc je connais en fait en soi le circuit. Mais je n'ai aucun avantage par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas le circuit quand on part sur des genres de jeux comme ça en 16 bits, puisque bah, j'ai pas le temps en fait de comprendre en fait quand va être le virage. Il y a certes quelques panneaux qui nous expliquent que ça va tourner, pour nous aider un petit peu, mais sans la map franchement je serais complètement largué. Et d'ailleurs on entend une voiture derrière moi, donc peut-être que ça veut dire qu'il y a une IA qui va essayer de nous dépasser. Et ce bruit de déco est assez magnifique d'ailleurs, au passage. Donc là je pense qu'on s'est éloigné à nouveau de la voiture en question. Donc j'ai pas trop parlé de l'HUD. Bon, bah, vous pouvez voir qu'on a les kilomètres heure, enfin les miles par heure, je pense que c'est plutôt des miles. En haut, donc 150, 160, etc. A droite vous avez la boîte de vitesse avec les régimes moteurs, donc c'est plutôt bien fait. Je trouve l'HUD plutôt intéressant dans le sens où il est très très lisible. Très lisible, franchement, il n'y a pas des choses partout. Je sais qu'en général, à l'époque, ils aimaient bien masquer la moitié de l'écran pour gagner un petit peu de framerate, etc. Là, ils ont mis ce qui était intéressant à savoir, pas plus, pas moins. Et du coup, bah, c'est plutôt correct, c'est plutôt lisible. Par contre, j'ai pas vu comment je pouvais rentrer au stand. J'ai ralenti, mais ça n'a pas servi à grand chose. Et donc là, je peux faire 5 tours, parce que j'ai sélectionné 5 tours dans le menu options. Donc je peux faire Start, et normalement si je fais Select Start, voilà, j'ai le menu qui s'affiche et qui me permet du coup de passer par exemple au circuit suivant. Ce que nous allons faire, juste pour voir un petit peu s'il y a des grandes différences en termes de graphisme, ou si c'est plus ou moins toujours la même chose. Et d'ailleurs, on a une petite photo avec, bah, je pense que, je sais pas qui c'est le pilote, j'ai du mal, je crois que c'était Senna, mais je suis pas sûr. Non, c'est le 2, donc du coup ça peut être que Damon Hill sur la... Eh non, peut-être pas, le 2 c'était le 0, le 2 à l'époque. D'accord, c'était Senna, c'était le 1, le 0 était pris par Démoni, donc non, non, c'était son coéquipier, donc c'est Coulthard normalement, Coulthard ou Mansell. Je dis pas de bêtises. Alors on peut voir que le record, c'est Démoni qui est là, et nous on a fait un tour en 1-7 sur la Larousse, et je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Les temps, les tours chrono que l'on voit là, on est en 94, enfin 95 pour le jeu. C'est un circuit qui se fait assez rapidement et une 7, je trouve que c'est assez cohérent par rapport au temps réel que l'on pouvait avoir à l'époque. À peu de choses près, évidemment, à quelques secondes, hein, quelques brides de secondes.
Et ça veut dire que le jeu finalement est pas si mal fait en termes de réalisme, en termes de longueur de piste. Et du coup, le round 2, c'est sur le circuit d'Aida, donc à Okayama. J'aime bien ces petites cartes comme ça, c'est... J'aime bien comme ils usent d'ingéniosité des fois. Alors là, il n'y a pas d'ingéniosité, mais je veux dire, pour pouvoir représenter des choses qui sont très difficiles à représenter sur des jeux qui sont pas en 3D. Et là, il pleut. Alors, il pleut, mais il y a quelque chose qui est peut-être un peu tilté. À aucun moment... Ouais, si je fais Select, à aucun moment je peux prendre des réglages, choisir mes réglages. Je suis obligé de me contenter en fait, en tout cas en mode Time Attack. On va voir si c'est le cas. Si c'est le cas dans le mode course. Je ne peux faire de réglages. La voiture, elle est par défaut. Alors, bien entendu, donc le chiffre, on l'a vu, je n'ai pas de changement de vue disponible. Certains jeux le proposaient. On avait vu les FA Circus, ils proposaient par exemple plusieurs vues différentes. Et d'ailleurs, ce qui était assez marrant à l'époque avec les vues différentes, c'est qu'on sentait que plus on éloignait la voiture, on dézoomait, plus la console, en fait, n'en pouvait plus. Elle était vraiment à l'agonie. Et du coup, la framerate était vraiment, vraiment divisée. Donc là, on va freiner. Alors c'est marrant parce que comme... En fait, je suis bête parce que je peux accélérer comme un Gran Turismo, puisque je peux me... Jouer avec manette de play, hein, pour être cohérent. Je peux jouer avec deux boutons pour accélérer et deux boutons pour freiner. Du coup, j'ai plus qu'à me recaler dans le jeu pour passer en mode croix carré. Équivalent croix carré. Ça aide pas mal quand on ne joue pas forcément avec console autre que PlayStation. Alors là, donc on est à Okayama. Alors, on ne reconnaîtra pas Okayama hein, concrètement. Alors, ça, on a les nuages, on a un petit fond d'écran qui a changé, on a quelques bâtiments, on voit qu'on est près d'une montagne. Effectivement, c'était un peu le cas du circuit Okayama, qui était un peu comme ça. Mais après, en termes de dénivelé de circuit, je ne saurais pas vous dire si c'est assez réaliste ou pas en montée ou en descente. Normalement, ça redescend un petit peu, puis après, il y a une droite. Je ne saurais pas vous dire là. Là, on est tout en haut du circuit, donc normalement, ça redescend un peu. Est-ce que le jeu va faire pareil? Eh oui, c'est ça, on redescend. Donc le jeu prend en compte les dénivelés qu'on a sur le circuit. Donc ça, c'est aussi... c'est plutôt bien fait. Hein. Bon, c'est pas ça qui va vous donner avoir un ressenti spécialement énorme, mais pour l'époque, je peux comprendre que ce soit très bien d'avoir fait ça. Alors là, on est sur la pluie. Déjà, première nouvelle, je ne sens aucune différence dans le... Alors peut-être dans la vitesse de pointe, qui a l'air un peu plus réduite. Mais en termes de grip, de freinage, il n'y a aucune différence. Mais vraiment, hein. Là, regardez, je suis toujours à fond, la voiture ne glisse pas. Alors là, évidemment, si je freine pas, je vais me planter. Mais j'ai trop de grip, en fait. Donc en fait, l'eau, elle est juste visuelle, elle ne sert pas à grand-chose. On va faire un autre tour, voir si on peut améliorer un tout petit peu. Et ensuite, on sortira du mode... On essaiera de faire un mode, mode course pour voir un petit peu comment ça se passe avec les IA. Là on va arriver dans la ligne droite. Veslab 0,55. Alors là par contre à l'inverse, le tour est totalement impossible parce que 55 secondes pour le tour de Okayama, non, c'est impossible. Les fins mettaient beaucoup plus de temps. Donc on va faire Select Start, voilà, et on va faire quitter. On va sortir complètement du mode et on va voir un mode course, donc avec la petite introduction. Alors un jeu aussi édité par Acclaim, ça fait bizarre hein, d'entendre voir ce mot Acclaim sur la Super NES. Parce qu'on a plutôt tendance à les avoir vus un petit peu après. Alors, un mode Knockout, alors on va voir ce que c'est, du coup. On va changer de véhicule, on va prendre... Pourquoi pas la Minardi de Nalboreto. À moins qu'il n'y ait pas de deuxième pilote, d'ailleurs, au passage. Hein, mais... Peut-être qu'en mode multijoueur, on peut choisir le pilote 2. Alors, on a Brazilian Grand Prix, donc apparemment, on peut pas choisir. Et là, on voit que c'est Hot and Sunny. Il fait très chaud et ensoleillé, c'est normal, on est au Brésil.
Alors là, je sais pas ce que c'est. J'ai déjà perdu... Je suis 11e. J'ai déjà perdu des places de départ parce que bah j'ai... Je vais accélérer. Je vais prendre l'intérieur. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait un... détection des chocs. J'ai l'impression que quand une voiture est devant, en fait, on reste bloqué. Oh mon dieu! Vous avez entendu ce bruit? Vous avez entendu ce bruit? On aurait dit un moteur qui allait mourir. Mais on a l'impression que le moteur était en régime mais énorme. Et déjà, je vais vous dire quelque chose qui me plaît. C'est le fait de ne pas avoir de choc entre les voitures. Ça paraît bête. En fait, on peut être bloqué par la voiture. On peut bloquer la voiture derrière. Mais en fait, quand on se rentre dedans, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégâts. Et je trouve ça particulièrement intelligent, finalement, parce que vous comprenez bien qu'avec ce genre de jeu, doser les distances, etc., dépasser sur les côtés, etc., c'est vraiment pas facile à anticiper. Et là, le fait de pouvoir, en gros, se positionner derrière une voiture et pas trop risquer de la toucher et de se cracher, et ben, c'est vachement bien, c'est vachement utile. Il va y avoir un beau freinage, on va freiner un peu. Et là, je suis bloqué, hein, pour le moment, on va se passer à l'intérieur. Là voilà, j'ai du mal. On va essayer de passer à l'extérieur, enfin à l'extérieur, dans la ligne droite, sur le côté. Alors évidemment, il n'y a pas de gestion de l'aspiration, ça serait trop beau. Au freinage, peut-être qu'on va réussir à les piquer. Ouais, je suis passé. Donc là, on va tourner encore. Attention, pas trop faire de bêtises. Alors évidemment, quand on tape une voiture, on perd de la vitesse, donc on recule un petit peu et derrière, ils en profitent pour nous dépasser. Alors ce bruit de réverb entre toutes les voitures, je le trouve excellent, mais vraiment excellent. C'est très bizarre, c'est pas réaliste, hein. mais c'est fun quoi. Franchement, il y a pas mal de trucs que je trouve cool dans ce jeu. Alors vous savez très bien que je suis totalement les jeux 16 bits, ça m'intéresse pas du tout pour les jeux de course. Pour d'autres types de jeux, les RPG, tout ça, pas de problème. Mais alors pour les jeux de même aventure, etc. Donc là on est dans la ligne droite, je vais pouvoir rien faire hein, pour le moment. On va passer à l'intérieur, ouais. Là il m'a bouchonné un petit peu. On va essayer de le bloquer sur le côté, voilà, pour pas qu'il passe. Et il y a 5 tours. Alors je sais pas du tout si c'est une course normale en fait, le mono out. Ou si c'est juste... Oula, là je les ai toutes dépassées d'un coup, j'ai pas compris. Et l'enquêtage de les avoir dépassés toutes d'un coup, bah c'est que maintenant je suis tranquille en fait. Je vais pouvoir dépasser tout le monde. Aïe. Je vais pouvoir être tranquille sur la piste. Aïe, je fais un petit peu n'importe quoi. Ce serait dommage de tout perdre alors qu'on est dans la tête. Parce que pour moi, le mode out, c'est le mode en fait un petit peu élimination. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est dernier à la fin d'un tour ou à telle place, en fait on se fait éliminer automatiquement. Alors je te trompe peut-être. On va arriver, on va freiner. Et là j'ai pas freiné en fait. C'est-à-dire que je me suis trompé, je pensais faire le frein, mais en fait pas du tout. J'ai accéléré encore plus. Ce reverb, je l'adore. Ce truc, mais c'est génial. Enfin, moi je trouve ça trop puissant quoi. Alors je comprends qu'après aussi ça se peut. Au bout d'un moment c'est assez épuisant le jeu 16 bits comme ça parce que avec le son. Au bout d'un moment, on commence à avoir mal à la tronche. Là, on fait que 5 tours, hein. Imaginons, on fait 70 tours comme ça. Enfin, au moment, on craque, quoi. On craque. C'est ce truc un petit peu dommage. Alors, on va essayer de passer le premier. Voilà, l'intérieur, c'est parfait. On est réussi à passer. Je vais peut-être essayer de nous redépasser, parce que j'ai pas forcément bien pris le virage suivant. Et on va arriver voilà, dans la ligne droite et on va arriver du coup dans le quatrième tour. Voilà, c'est bon, j'ai bien freiné. Et en fait, depuis le début, je pense que je freinais pas assez, c'est pour ça que j'avais du mal. Jusqu'au bout.
Voilà, bah après, je sais pas spécialement quoi rajouter, en tout cas en termes de, choses à dire sur le jeu. On va voir le mode championnat, s'il y a quelques différences par rapport au mode course classique. J'ai l'impression que c'est un mode course classique en fait, le mode Knockout. On va voir ce que ça donne si on gagne déjà une course. Ça va être intéressant. Alors peut-être aussi que si on est en mode normal, en mode difficile, peut-être qu'on débloque par exemple la gestion des dégâts, ce genre de choses. On va essayer, avant de faire le mode championnat, ce que je vous propose, c'est qu'on va changer la difficulté et on verra du coup bah, s'il y a des choses qui s'ajoutent. Est-ce que la difficulté par exemple elle concerne uniquement... Alors qu'on a gagné. Est-ce qu'elle concerne uniquement l'IA ou est-ce qu'il y a d'autres options qui se rajoutent Alors, notre outpoint, alors 50, 40, 30, 20, 10, d'accord, donc c'est déjà un peu différent, c'est pas le somme de points classique. Et on remarque que, ah bah t'as fini 2ème, Demonil 3ème, Bernard 4ème, Alési 5, Fittipa Alési 6, ok, pourquoi pas. On va faire start, et ah voilà, donc là on a le championnat avec le classement, ok. Et du coup ça va nous amener bah, au prochain circuit, alors c'est un peu bête parce que du coup j'ai pris les circuits... J'ai pas les deux premiers circuits, j'aurais dû prendre les circuits qu'on faisait à la fin par exemple, ça nous évitait que ce soit trop redondant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon abandonner et on va faire le mode championnat. On va faire quitter. Tout simplement. Bon, c'est un peu dommage, j'ai envie de continuer, mais. Bon, c'est un peu dommage aussi, c'est ce mode voilà, qui est un petit peu long à chaque fois, on est obligé de se reprendre le. Ah, on a un mode passoire, ce qui fait qu'on peut être enregistré aussi notre progression. Allez, championnat, c'est parti. On peut jouer en deux joueurs en mode championnat, ça c'est une bonne nouvelle. Et on a une petite Nerdy de 93 d'ailleurs, ça c'est sympa. On va prendre One Player versus NES. C'est là où je me pose la question, c'est quoi la différence en One Player versus NES avec le One Player? Parce que concrètement, c'est la même chose. Ah, ça peut être le mode duel, c'est-à-dire qu'on va faire une course et on aura un équipier. J'adore cette musique en fait. Alors on va prendre une autre équipe, on va prendre... McLaren a déjà pris à l'époque, je me souviens. On pourrait prendre le Team Lotus par exemple. Ou pourquoi pas la Sauber en noir, ça peut être marrant. Carveninger, les Wolfer au nain, Carveninger, le pauvre. En 94, il est tombé dans le coma après un grave accident au Brésil. Ah mais en fait je suis bête, je choisis, voilà d'accord, ok. Et je peux faire mon propre championnat. D'ailleurs on se rend compte qu'on a bah, de toute façon tous les circuits de la saison 94, jusque là rien d'exceptionnel. On va faire end. Voilà. Ah par contre non j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû changer le circuit pour faire un nouveau tracé en fait. Donc tant pis, on va se contenter de ça. Est-ce que là on va... Ah peut-être que non, peut-être qu'on sera juste 1 contre 2. 1 contre 1 peut-être. Non, c'est bon, j'ai compris. Bah écoutez, du coup, on va faire quitter. Vous aurez compris que finalement, en fait, on va juste faire un championnat 1 contre une IA. Je vais profiter pour changer l'ordre des tracés, histoire de mettre par exemple, bah pourquoi pas un Monaco, ça pourrait être pas mal, ou un Adelaide, en mode championnat. Alors, ok. On va faire donc un joueur. On va garder Cardinal Linger, pas de problème. Et voilà, donc ici en fait, c'est pas trop ce que je voulais faire. Bon, à la limite, on va tout enlever, j'en fiche. Voilà, je veux que le premier circuit ce soit le circuit de. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a Monaco? Oui, on a Monaco. Donc je rajoute Monaco, après on va mettre par exemple Adelaide. Pourquoi pas le Portugal, ouais, ça peut être sympa. C'est celui qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à notre époque hein, maintenant. Même s'il y a le retour de Portimao. Portimao. Je sais pas comment on le prononce. En portugaise. Et Belgium, on l'a. Après, l'Espagne. Ah ben, on va prendre le Grand Prix de Grande-Bretagne. Parce que le Grand Prix de Grande-Bretagne, de souvenir en 94, la fin était pas pareille. Et non, je suis en train de voir qu'au niveau 3C, c'est la même chose, ça n'a pas bougé. Alors, est-ce qu'ils ont mis le chicane en Espagne? Oui, on va mettre l'Espagne, c'est parti. Allez, on va accepter, donc c'est un petit championnat de 4 courses. Hein. On va pas faire un championnat, on va juste faire un petit essai comme ça. Puis on se laissera là-dessus. Hot and Sunny, jusque-là tout va bien. Toujours des tours en 2 minutes.
ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de record, hein, concrètement. Par contre, j'ai l'impression que ça manque un petit peu d'options, ce jeu. Bon, on a les qualifications, déjà. Et on n'a pas de réglage non plus, finalement. On peut pas régler sa voiture. Donc c'est un jeu qui va s'adresser, en fait, en tout cas pour l'époque, à des gens qui ont pas envie de se prendre la tête dans un jeu de F1. Je pense que vous l'aurez compris. Ça et la gestion des dégâts, alors j'ai oublié de changer la difficulté, en fait. Ça et la difficulté avec les dommages, c'est plutôt fait pour quelqu'un qui veut plutôt s'amuser sans chercher à try hard. Alors peut-être que le mode difficile est difficile aussi, hein, ça on sait pas. On est dans le tunnel, et là donc ils ont modélisé le tunnel comme ça, bon pourquoi pas. Pourquoi pas. Avec l'imitation technique, c'est pas trop étonnant. Et là on a la chicane, voilà, qu'on a réussi à prendre. Évidemment elle est beaucoup plus simplifiée. Puisque c'est très difficile de modéliser une chicane en 3 dimensions et surtout la vitesse à laquelle on la prend réellement. Là j'ai du mal. Ok, en fait on était déjà passé dans l'épingle. C'est pas grave, on est dans la ligne droite et on verra notre temps autour. On a apparemment deux tentatives pour faire un tour. Ce qui est logique puisqu'on est parti en fait. On est parti de la ligne d'arrivée. Donc le premier tour, on perd toujours un peu de temps. Et d'ailleurs c'est un peu bête parce qu'ils auraient pu faire comme par exemple Formule 1 95 ou 97 où ils nous font commencer un ou deux virages avant. Ce qui permet qu'en fait on a déjà lancé. Voilà, j'essaie de positionner ma voiture comme il faut pour éviter de faire trop de bêtises. Ok. Bon. Alors j'ai quand même fait... Non, c'est Alboreto qui est en tête. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence hein, entre les équipes. Regardez-moi la grille de départ. J'ai l'impression de voir une grille de départ anarchique complètement. Il n'y a pas d'hiérarchie. Logiquement, par exemple, on aurait dû avoir... alors que d'ailleurs, c'est la Williams Grand Prix de France, peut-être, j'ai l'impression. Et il nous met le truc à l'envers, ça c'est marrant. Donc il n'y a que 12 voitures en piste aussi, ça j'ai oublié de le souligner. Mais surtout, voilà, il n'y a pas d'hiérarchie réelle. Hein. Fittipaldi 3ème, Bernard 2ème, allez-y 2ème, pourquoi pas à la limite. Alboreto promet sur la Minardi, bah écoute, profites-en mon gars, parce qu'il n'a pas dû voir ça très souvent dans sa vraie carrière. On va faire start. Voilà, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas d'hiérarchie respectée non plus. Alors là, ça c'était un fail complet que j'ai fait au démarrage. Alors vous avez remarqué tout à l'heure, alors qu'il y a un petit bug j'ai l'impression sur le tour de devant, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de podium ni rien quand on a gagné la course tout à l'heure, hein. Il n'y a vraiment eu rien du tout. Allez, on va arriver dans le tunnel, on va arriver à la chicane très rapidement d'ailleurs. Et alors la chicane, je sais absolument pas comment faire pour la prendre sans se planter. Ok, on a déjà quelques virages un peu serrés sur le côté là. On va essayer de prendre vers la piscine. Vous aurez reconnu la piscine évidemment. Lol. Et on va arriver directement voilà, dans le virage assez serré, l'épingle, et voilà. Et on va repartir sur la ligne droite. Et le tour, on va le faire en même pas une minute, enfin ouais, une minute à peine. Ce qui est totalement improbable sur Monaco, vous l'aurez compris. Alors j'étais un petit peu confiant hein, que le circuit d'Interlagos, que le niveau des temps était correct. Alors là, Monaco, par contre, c'est plus tout ça. Donc on a pris le meilleur, on va essayer de dépasser un petit peu là dans un virage un peu serré, et je me suis planté complètement. Alors vous avez vu tout à l'heure, je me suis pris un gros accident, enfin lui il a considéré que c'était un gros accident. Et du coup, bah, j'ai abandonné. C'est là que dans le jeu, on peut abandonner. Et là, par contre, j'ai perdu dans un temps. Je suis 12ème. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion de ce jeu? Bon, évidemment, on n'y a pas joué 4 heures, donc peut-être d'autres conclusions à tirer au fur et à mesure. Mais je peux dire que c'est un des jeux où j'ai peut-être pris le plus de plaisir à jouer, vraiment, avec celui sur... sur PC Engine aussi, qui était assez monstrueux pour l'époque, je trouve aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, qui se veut assez simple. Et pour moi, c'est le principal. Parce que pour un jeu 16 bits de Formule 1 à l'époque, il n'y a pas assez de possibilités pour faire un truc ultra réaliste.
Et je me dis que là, bah, c'est plutôt, plutôt amusant, plutôt intéressant. Bon, évidemment, ça a très mal vieilli, hein, on l'a compris. Mais je prends limite plus de plaisir sur ce jeu que par exemple sur d'autres jeux type F1 Circus, alors qu'ils sont beaucoup plus aboutis, hein, techniquement parlant. J'avais bien aimé F1 Proposition 2 aussi, qu'on avait testé il y a pas mal de temps, qui était assez cool aussi. Alors là, ouais, on est en mode easy, hein, et pourtant en mode easy, j'ai pris un gros vent. Alors vraiment un gros vent, hein. Quand je dis un gros vent, c'est... Regardez sur la carte, je suis super loin. Alors peut-être qu'évidemment je peux prendre plus vite certains virages, hein. J'ai tendance à être calme dans certains virages, mais peut-être que ça sert à rien. J'essaie d'augmenter un petit peu mon rythme, mais à mon avis je vais terminer dernier. Il va y avoir un... voilà, le gros virage avant la montée de la scène des votes. Et d'ailleurs, regardez, scène des votes, ça monte pas vraiment. C'est assez léger alors que normalement c'est une grosse montée. Donc là, au niveau gestion dénivelé, c'est pas trop ça. Là, on est censé descendre d'un coup, donc non, pas beaucoup de respect non plus du circuit, hormis le tracé. Et j'ai quand même réussi à remonter sur lui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je suis pas si lent que ça. Ouais, déjà dans le troisième tour. Hein. Bon, je ne gagnerai pas par contre, hein, vous l'aurez compris. Ce qui est assez décevant après la belle course que j'avais fait à Interlagos. C'est-à-dire que j'avais doublé 10 voitures d'un coup quasiment, hein, mais bon. Et voilà, j'ai tapé, du coup. Ça ne va pas le faire, tant pis. On est encore dans une droite, on va essayer de dépasser au premier virage, je vais me caler sur le côté. C'est bon, on est passé. Alors il y a un bel effet de vitesse aussi par contre. Bon ça c'était pas très compliqué de faire les fautes à l'époque, mais réellement c'est vraiment plutôt bien. Quand on est au ralenti on le sent bien, quand on est vraiment à fond on le sent aussi. Alors, j'aurais pas terminé dernier, déjà ça serait pas mal pour finir la vidéo. Ça, voilà, la chicane, qu'on a pris plutôt bien cette fois-ci. Attention, ce virage un peu plus lent. Bah, la piscine, ça on peut le prendre à fond, j'ai l'impression, ça se négocie plutôt bien. On va arriver, voilà, attention. Les virages, j'ai tapé un petit peu malheureusement avant la ligne droite. Et du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Bon, on est dixième, on va faire le dernier petit tour. Ah, bah c'est terminé. Ok, d'accord, bon, j'ai pas fait gaffe. Bon, on finit dixième, hein. C'est pas transcendant, mais bon, ça aurait pu être pire. On marque pas de points, par contre ça reste assez premier comme en vrai, ça c'est sûr. 10-6, 4-3, 2-1, là c'est vrai, on a le vrai barème. Et c'est Fittipaldi qui a gagné une course, décidément ça fera plaisir à son père. Je crois que c'était son fils. Hein. Et du coup, voilà, 10-6-4. Bon, bah, évidemment pas le championnat constructeur, parce que finalement il n'y a qu'un pilote par équipe. Donc bah, ça sert à rien de faire un championnat constructeur. On est classé quand même 10ème. 8, 9, 10. Attendez, 8, 9, 10, 11. Ah non, 11ème on est classé. Donc c'est vrai qu'ils ne prennent pas en compte la meilleure position finale aussi par rapport aux autres quand on n'a pas marqué de points. Bon, pourquoi pas. Et regardez, on a un password. Alors, oh mon dieu, c'est ça le password. Oh la vache. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bon, alors il faut être motivé, les mecs, hein, si vous voulez taper un password. C'est pas drôle ça, bon. Écoutez, c'est pas grave. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était F1 World Grand Prix, F1 World Championship Edition, pardon, sur Super Nintendo, bah, ou Famicom. Un jeu pas mal. Franchement pas mal, pour l'époque je le trouve plutôt bien. Je suis bien amusé dessus, pour un jeu d'époque en tout cas, je trouve ça plutôt sympa. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!